Yo, bonsoir à tous et bienvenue dans le guide du collectionneur. Alors, avant de faire le traditionnel achat de la semaine, bon, même si j'ai rien à acheter, on va faire quelques petites annonces. Alors, pour commencer, jeudi à 21h, il y aura le second podcast du collectionneur, toujours avec Petite Pelle, Beyond This Life et Moa. Enfin, pas forcément dans cet ordre, j'essaierai de les présenter dans un autre ordre. Donc voilà, ça c'est fait, ce sera sur la chaîne perso, on a plein de choses à discuter comme d'habitude. Donc si vous avez envie de vous payer une bonne tranche de rigolade, ben venez, parce que c'est toujours la bonne ambiance avec cette équipe-là. Donc voilà, ça c'est l'annonce numéro 1. Annonce numéro 2, à partir du 13 juin. Le 13 juin, ça sera la dernière du guide du collectionneur le lundi. Attention, je m'explique. Comme le lundi, vous l'avez constaté, j'ai de moins en moins de temps, pas pour préparer les émissions, hein, je prépare toujours autant, mais j'ai moins de temps pour animer, c'est compliqué, du coup, on va ploup, décaler, pas après, mais avant, une journée avant, donc ce sera toujours maintenant le dimanche. Mon avis, toujours 13h15, 13h15, peu importe si petit avion stream avant, enfin peu importe. Pour moi, honnêtement, c'est 100 milliards de fois plus simple de faire comme ça. Donc je sais qu'il y aura peut-être des gens qui pourront pas regarder. Mais c'est comme ça. Et troisième annonce, c'est que prochainement, je vais recommencer à vous faire gagner des choses. Voilà. Donc ça, je pense qu'on verra le moment venu. Oula, j'allais zapper sur la scène de jeu. Mais... De quoi? Ok, d'accord. Je disais le chat. J'ai acheté une petite bricole en fait cette semaine, c'est un petit baril Donkey Kong pour mettre des jeux DS et 3DS. On peut même mettre aussi des stylets, enfin moi je mets un crayon dedans. À la base je les avais achetés pour les faire gagner lors d'un tournoi et j'ai fini par en garder un, tellement ça m'a fait rigoler et que c'était stylé. Alors le thème de ce soir, la Super Famicom. Alors du coup la Super Famicom, combien ça coûte et tout machin, on va parler de tout ça. De quelques exclus et de quelques jeux assez obscurs, mais on va parler ce soir, on va parler Homebrew. On va parler des jeux bah, que normalement tu ne peux pas jouer sur une vraie console, sauf si tu fais des reproductions. Donc je me suis lancé il n'y a pas longtemps dans tout ce qu'il faut pour faire des repros. Ce soir, on va se faire un Nightmare Busters. En priorité, ça donnera l'occasion de parler de jeux-là et de parler aussi de combien ça m'a coûté en matière brute, cette reproduction, et voir combien c'est vendu. Alors du coup, voilà, on clique là. Du coup, là, c'est bon. Allez, top à la vachette, on lance le jeu. Donc là, j'y joue depuis ma Retrofrix. Pourquoi? Parce que mon appareil de capture, il est à 30 km de chez moi. À mon SCART HDMI converteur. Du coup, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a du son? Il y a du son, c'est merveilleux. Alors, je tiens à dire que j'avais dit, lors quand on avait fait le test en direct de cette console, la Retrofric, que je disais que les homebrew, tout ce qui était bootleg, carte mode, ça ne passait pas. En fait, ça marche. Me demandez pas pourquoi, sans doute depuis que j'ai fait une mise à jour du firmware. Donc voilà, et ben bonsoir aux habitués, hein. Salut à tous. Donc on va se faire déjà un Nightmare Busters. Ça va permettre déjà aussi de parler un peu des cartes mode, surtout les cartes mode Super NES. Alors, monsieur, je sais que j'ai pas appuyé au bon moment pour... Voilà, nickel. On va mettre en facile parce que déjà le jeu est loin d'être... On va mettre en stéréo si on peut. Pourquoi s'écrit Nishimitsu? En fait, Nishimitsu, à la base, ça devait être l'éditeur du jeu. À savoir que le jeu est jamais sorti officiellement. Par manque en fait de... Ah oui, hier soir j'ai dû faire un choix. J'ai pas pu regarder à la fois Sacré Graal, Kaamelott et Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Du coup j'ai pris ce que j'avais devant moi et bon, j'avais la saison 2 de Kaamelott. Du coup, quand j'aurai le temps cette semaine, je regarderai tout ça. Donc oui, par manque de budget, le jeu n'était jamais sorti, mais il était terminé. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a maintenant 4 ans, je crois, ou 3 ans. La ROM a été découverte grâce à un prototype, a été mise à disposition sur Internet. Un groupe nommé Super Fighter Team s'est mis en tête de reproduire en fait le jeu. Alors j'ai vu les reproductions Super Fighter Team, j'en ai démonté une au milieu de semaine dernière. Je n'ai pas pris de photos. Mais je vous prie de croire que les reproductions chinoises de jeux Mega Drive donc, que je vous avais montré il n'y a pas longtemps, en fait ça n'a rien à envier. Mais littéralement, je vous assure, c'est même affolant en fait.
Au point que un bête carte mode réalisé à la maison avec un éperon chinois et du fil et un programmateur à 80€, ça a l'air d'être de meilleure qualité. Le jeu maintenant est sorti officiellement grâce à la Super Fighter Team, mais il n'est jamais sorti à l'époque. Je pense que c'est ça un peu la différence qu'il faut faire entre eux. C'est pour ça que ce jeu, moi, j'appelle ça un homebrew. Parce que, attendez, qu'il n'est jamais sorti officiellement, c'est même plus un prototype qu'un homebrew. Enfin bref. Et c'est un jeu, par contre, c'est un jeu, il va falloir que je me reconcentre. Parce que j'y ai joué un petit peu le... Il y a 15 jours, quand j'ai fait ma repro, je me suis pas remis depuis. Pourtant, c'est vraiment un jeu très sympa. Mais il est dur, punaise. Et ça fait partie de ces jeux où le stage 1 est plus dur, en fait, que le stage 2. Du coup, ça fait partie de ces jeux aussi où on peut très vite, en fait, se décourager. Voilà, la meilleure arme du jeu, même si celle qui fait la moins mal. L'arme des noobs, mais au moins, elle fait le taf. Et franchement, si vous l'avez jamais fait, faites-le même en ému. Et dès que j'aurai reçu mes éperons commandés en Chine, je vous ferai gagner un voire deux cartes mode de Nightmare Busters. Pourquoi deux? Ben, un en fait sur le stream, tout simplement. Et le second, je pense que je le ferai gagner hein, via la chaîne YouTube. Je verrai bien. Combien le vend de la Super Fighter Team? Alors, à un moment donné, le packaging, c'était un truc genre 80 balles. C'était 80€. Faut savoir que j'ai pris un super soccer à 2€ dans un magasin d'articles d'occasion. Les proms coûtent 2€. Voilà, programmer la ROM, ça te coûte rien. Dès l'instant, t'as le programmateur. Donc en fait, en matière brute, il y a à peu près allez, entre 5 et 7€ de matériaux. Et c'est ça qui est fou. Après, ils te vendent le packaging complet, à savoir avec la boîte et tout machin. Hop, voilà. Donc après, pour ceux qui veulent vraiment avoir le truc qui se rapproche de l'original, ce jeu, il ressemble aussi à un autre jeu très peu connu de l'arcade qui s'appelle Biomechanical Toy, que j'ai déjà fait dans Arcade Perfect et que personne connaissait, à part une personne qui disait « Oui, je connaissais ce jeu, mais impossible de me souvenir du nom. » On dirait même que c'est fait par la même équipe. Mais c'est vrai qu'il y a des points de ressemblance avec Free Wonders. Et c'est un jeu qui était fait par des Français, ça. Nightmare Busters. Par un Français, qui d'ailleurs est décédé avant que son jeu puisse être, en fait, ben, porté sur... et produit. J'ai pas encore fait les Crazy Climbers. J'ai voulu en faire un. Je crois que c'était le 1 ou le 2. Je me souviens plus. Et en fait, il était émulé très très mal sur le Raspberry. Donc j'ai lâché l'affaire pour le moment. Ouais, c'est une drôle d'histoire que ce Nightmare Busters. Et en fait, l'autre drôle d'histoire, c'est que, étant donné que la ROM, elle a été diffusée, ben, qu'est-ce qui peut empêcher des gens, ben, comme moi par exemple, de faire une reproduction pour jouer sur sa console? Ben, en fait, rien du tout. Déjà, ça, c'est triste. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a des petits malins qui vendent juste la cartouche entre 40 et 50€ sur eBay. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a pour 8€... Allez, si on voit vraiment au rabais, un éperon chinois c'est 1,80€, frais de port compris, si on les prend par 10, donc je fais la division. Entre 2 et 4€ pour trouver une cartouche donneuse. Et allez, une étiquette, deux étiquettes de qualité, coûter, allez, ouais, encore 2€ de plus. Allez, 6€ voilà de matériaux, puis après, des belles soudures à faire, hein, pas des trucs de cochon, faut pas déconner non plus. Et quand j'aurai reçu mon lot des proms, certainement dans la semaine ou quoi, j'essaierai de retourner une vidéo. Je pense que je retournerai une vidéo en fait pour expliquer vraiment de A à Z comment on fait. Parce que dans la dernière vidéo que j'avais tournée, voilà. J'avais pas pu tout vous montrer. Le héros a une tête à chapeau, j'avoue. Mais le jeu est excellent, il y a une super bande son, il y a une belle ambiance, il est dur, il est rapide, c'est un peu tout ce que tu peux attendre de ce genre de jeu en fait. C'est vraiment un pur side-scroller, à mon avis, s'il était sorti et dans les temps
surtout à une époque où les gens continuaient à acheter des jeux sur Super Nintendo, je pense très sincèrement que le jeu, il aurait peut-être pas cartonné. Mais voilà quoi, je suis persuadé qu'il aurait eu sa fanbase. Alors du coup, j'ai oublié de vous dire comment on y joue. Voilà, on peut... On tire, on saute, une glissade comme dans Megaman. Et voilà, si on laisse ce X s'enfoncer, il y a une attaque chargée qui est l'attaque dash. Ça offre pas mal de possibilités au jeu. Ah zut. Bah en fait, ça a été fait par des Français, donc la patte graphique qui est un peu, qui ressemble un peu à Mister Nut, je suis pas étonné non plus. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y jouer, c'est le genre de jeu où quand il joue, tu dis mais pourquoi il a été annulé au fait, je comprends pas. Pourquoi il est jamais sorti le jeu. Et c'est au niveau des reproductions de Super NES qu'il y a de plus simple à faire. Avec bien sûr une bonne trentaine d'autres jeux. Mais c'était le jeu qui m'intéressait à faire en premier. Je l'avais déjà. D'ailleurs je l'avais fait sur YouTube il y a 4 ou 5 ans, je sais plus. Voilà, hop, le hibou. C'est pas là où il y a le truc à falloir. Non, ok. Freezone, si c'est un kart mode de la Super Fighter Team, il me semble qu'il est Freezone. Après, le jeu est pas zoné, il me semble. Enfin, je sais que ce soir, le sujet, c'est Super Famicom, mais je voulais quand même parler de jeu en premier. En plus, il y a quand même un lien, étant donné que ça devait être un éditeur japonais qui devait sortir le jeu. Putain, je joue comme une saucisse. Enfin, on va déjà jouer au jeu jusqu'à temps que je ne puisse plus vous montrer grand-chose. Alors, on va voir d'ailleurs... La première fois que j'ai testé le jeu, j'ai eu un glitch en fait à ce niveau-là. Voilà. Il y a en fait le truc qui va descendre. Et moi j'avais un glitch en fait, j'avais un monstre qui était affiché en 4 morceaux glitchés. C'était assez drôle. Et depuis... Ah bah non, c'est pas ici, c'est un peu plus tard, c'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dit dans le chat? Ouais, effectivement, en fait, il y a plein de jeux, en fait, et c'est rigolo. C'est, je dirais, un peu plus le cas avec la NES, où il y a, en fait, énormément de prototypes, en fait, qui se retrouvaient dans la nature. Avec la Super NES, un peu moins. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que la SNES, elle a pas vraiment une communauté de gens qui développent encore des jeux dessus, une communauté qui fait du homebrew. On pourrait, par exemple, le voir avec la Dreamcast, ou même avec la NES, il y a encore pas mal de gens qui... développe des trucs là-dessus. En changeant les proms, est-ce qu'il devient Freezone? Non. Ah, donc voilà, il est pas glitché, le roux... C'est Yamato, non? Quand même, avec une masse comme ça. Voilà, ça, moi, il ne frappera pas. Non, en fait, il me semble que... comment expliquer ça? Sur les cartouches NES, ça fonctionne comme ça. Il me semble que sur les cartouches Super Nintendo, ça ne doit pas déroger à la règle. Il me semble, en fait, qu'à côté de les proms, il y a une petite puce en fait qui gère la zone. En tout cas, les jeux NES, c'est comme ça s'appelle le NIC ou un truc comme ça, cette fameuse petite puce qui est sur la PCB des cartouches. Vous voyez, c'est quand même assez aussi rythmé, c'est pas toujours un side-scroller où il y a toujours les mêmes phases qui se répètent. Et d'ailleurs, les musiques, elles font vraiment penser à de la musique traditionnelle irlandaise. C'est ça qui est assez rigolo. Hop, voilà. Non, 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 pas comme avec Trunks. En tout cas, je me répète, hein, si vous l'avez jamais fait, ce jeu... vraiment, c'est... Y a même pas à réfléchir. Que ce soit où vous voulez en cartouche, ou vous voulez juste y jouer, faut... C'est une tuerie. Et moi, j'avoue, graphiquement, il est très beau, il est très sympa. Ce que je préfère encore, c'est les musiques. J'aime bien déjà ce genre de musique un peu... J'ai rien contre la musique traditionnelle irlandaise, au contraire. Il y a un guitariste aussi, c'est Pierre Bensouzan aussi, qui joue de la musique trad irlandaise. À sa façon, et j'adore. Bon, sauf les musiques des boss qui sont un peu plus rythmées quand même. Et qui pour le coup, c'est pas vraiment... Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'il allait faire la phase. Voilà.
Alors, Earthbound, il est chiant parce qu'en fait, il faut une carte donneuse qui... Il faut une cartouche donneuse qui est pas vraiment simple à trouver. Là, pour faire un Nightmare Busters, pour donner un ordre d'idée, on peut prendre un Super Soccer, ce genre de truc que personne ne veut. Et ça fonctionne. Il me semble qu'il y a 40 jeux quasiment, voire plus que ça même, qu'on peut utiliser pour faire, entre autres, un Nightmare Busters. Parce que je vais peut-être casser un mythe, mais c'est bien aussi d'en parler. Castlevania 4, Final Fight, Fireman, Tortue Ninja 4, Turtle in Time. C'est tous des jeux en fait que, qu'on peut utiliser le même genre, les mêmes cartes donneuses que Nightmare Busters. Il va vraiment falloir que j'arrête de jouer comme une saucisse. Il est chiant lui. Voilà. Earthbound par contre, Earthbound, ça fait partie des jeux que je veux m'amuser à faire moi en carte mode, c'est clair. Pas pour les revendre ou quoi que ce soit, c'est juste que bah, pour le délire d'avoir un Urban que j'ai fait par moi-même. Déjà mon premier but c'était de faire un Nightmare Busters, j'ai réussi. Par contre j'ai réussi à griller un second Eprom. Ça c'était super drôle. Je commande deux Eprom, le premier j'arrive mais pile poil de cheval à faire ma repro et le deuxième je sais pas ce qui s'est passé, j'ai jamais réussi à en faire quoi que ce soit. Donc c'est toujours très drôle quand ça se passe comme ça. Enfin bref. Il a été fait à la GDQ. Ok, je savais pas ça par contre. D'ailleurs, je parlais de The Fireman, je l'ai en version Super Famicom, on en parlera après. C'est parti de ces jeux aussi que je veux me faire un carte mode. Pour pouvoir enfin, même s'il n'y a pas 46 milliards de dialogues. Et pouvoir enfin le faire en français. De toute façon, comme j'ai le jeu Jap, j'ai le droit. Ah voilà, j'ai récupéré l'arme qui va bien. Ah oui, là c'est le passage chiant. Ah merde. Zut. Voilà. Donc il y a des passages où il faut plus ou moins accélérer sa descente. Voilà, pour pas comme je viens de le faire, se manger le Ferrero Rocher qui tombe. En tout cas, je vous en ferai gagner un Nightmare Busters, ça je vous le dis. Et en plus, je pense que vous passerez avant les commandes de mes potes. J'ai déjà 4 ou 5 demandes en fait de Nightmare Busters pour les potes. Je me suis même amusé à refaire moi-même l'étiquette et à faire une étiquette au dos avec une petite connerie dessus marquée. C'est un peu ma marque de fabrique. Hop, c'est là, je crois qu'il faut se mettre là. Voilà, nickel. Ah, Earthbound, c'est du boulot, hein, il y a un nombre incalculable de fils, il me semble, si ma mémoire est bonne. D'ailleurs, le plus gros boulot pour un carte mode, c'est un carte mode NES, je sais plus lequel, il y a 82 fils. 82. Déjà, les premières repros, quand t'as deux fils à souder d'un côté ou de l'autre, tu vérifies si t'as pas fait une bêtise. Là, 82, c'est même plus du sport à ce niveau-là. Ah si, c'est un sport olympique, presque. Voilà. Et comme j'ai installé aussi le programmateur des proms sur mon PC de stream, on essaiera un de ces quatre de faire une repro en live. En chaîne perso, on essaiera de se faire ça, mais peinard. Ah, salut Kaikoun. Ah, la finale, écoute, je dois t'avouer, j'ai dû me réveiller. Non, en fait, je m'étais un tant soit peu endormi. J'ai reçu un SMS pour me prévenir. En plus, mon pote, il me dit, je crois que c'est le gars que tu connais. Et j'étais tellement dans le gaz. J'ai mis du temps à immerger. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une VOD? Comme j'ai pu voir, en fait, finalement, que la finale, en plus, je l'ai pris en route. Mais c'était cool.
J'avoue, malheureusement, cette année, le Stunfest, avec les soucis vidéo et tout, c'était un peu chiant. Mais sinon... Sinon, ça reste Windjammers. C'est toujours sympa à regarder. Que ce soit des gamins qui jouent dans une médiathèque et qui découvrent le jeu ou des pros, c'est toujours aussi sympa comme jeu. Faut vraiment que je me reconcentre, hein, parce que... Oh, j'avais même pas été jusque-là, je crois, dans... Oula, 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 oula. C'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle la Monsieur Chou spéciale. Ou la classique, c'est comme vous voulez. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu oublier de sauter. Ouais, c'était drôle en fait, j'ai reçu un SMS, je crois que c'est le gars que tu connais, et en final, de quoi il parle, je comprends pas. C'est comme j'étais à moitié dans le gaz en plus, j'ai rien compris. Il m'a fallu quand même 2-3 minutes pour dire, mais... Ah d'accord, oui, ok, c'est Kaikun, d'accord. Après, ben, on jouera à The Fireman. J'ai prévu quoi aussi? Un Super Adventure Island, un Super Genjin. J'ai prévu pas mal de choses. Ah, voilà, nickel. Ah, désolé, Capsiver. A plus et bonne soirée. Je sais que c'est chiant, ces histoires de bridage. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, en bougeant le lundi, ça évitera... Parce que le bridage, apparemment, il est moins casse-pied, il est moins violent... en journée. J'ai remarqué ça hier quand j'ai streamé. Là d'ailleurs, j'ai galéré à afficher mon retour de stream alors qu'hier j'ai cliqué, ça a fonctionné. C'est vrai que c'est pénible ces bridages Twitch en particulier chez Orange. Enfin, c'est pas le guide du bridage de stream chez Orange ici, c'est le guide du collectionneur, on va essayer. Continuer comme ça. Ça me fait penser que j'ai 3 VOD de retard à mettre en ligne. T'as quand même pas pris ta retraite, Kaikun, rassure-moi. Sinon c'est un peu karaté, quoi. J'ai gagné alors je m'en vais. J'arrête de jouer. Ah, j'ai voulu lui faire ça à Street Fighter 4. J'avais gagné un round, j'ai voulu partir, non. Ça s'est pas passé comme ça. Bah moi, là en médium, le stream est fluide chez Orange, c'est bizarre. D'habitude, je me mets en low et encore... hashtag, je suis frisbee. Bien vu, bien vu. Et moi, je suis chez Orange, j'ai envie de tout cramer. Ah, en parlant de cramer, anecdote. Hier, ceux qui étaient là dans Arcade Perfect ont vu que j'ai une baisse de tension. Pas moi, hein, le courant, hein, dans la maison. Donc, je rentre chez moi au soir, après avoir été chez mes parents, c'était la fête des mères. Du coup, je me dis, bah c'est cool, tout est là, quoi, il s'est rien passé. Allez, je vais regarder la télé. Le décodeur, il y avait encore cramé. C'était un fusible, pour changer. Je crois qu'ils ont la maladie des fusibles en carton chez Orange, en fait. Et du coup, c'était ça m'a fait rire sur le coup, parce que c'est la deuxième fois que je change le fusible en... Une semaine, deux semaines, non? Voilà. Là, c'est du jeu propre. Ouh là 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 là, c'est... Ça a l'air génial, ça. Ah oui, je me souviens maintenant de ce boss. C'est un vieux souvenir d'il y a 4 ans. Mais... Malheureusement, quand j'avais fait ma repro de ce jeu, j'avais pas eu l'occasion de jouer... aussi longtemps. Comme ça, au moins, bah, ça permettra de voir. T'arrives pas à me tweeter la photo? Comment ça se fait? C'est
At Monsieur Chou 62, bah ouais, c'est bizarre cette histoire. Oula. Ah. Si j'arrive à... Ah mais bien sûr, d'habitude il descend pas et là il descend, d'accord. Au pire, envoie-moi ça par email, le guide du collectionneur, tu colles tout, @gmail.com. Ah, je pense que le tweet est passé. Ah mais oui, mais il y a des champions de Windjammers dans le chat. C'est-à-dire, on peut même dire le champion du monde. Ouais, il me semble que c'est passé. Ben tiens, je vais regarder, je vais en profiter. Comme j'ai pas le stream en qualité high, je peux me permettre de regarder. Ça m'intéresse toujours en fait, c'est pas par curiosité malsaine. Ah voilà. Wouah, c'est propre en fait. Ah oui, il utilise le... Oui, le petit truc qu'il y a en fait sous la puce Gold Star en fait, je vois ce que c'est. J'en ai entendu parler, c'est un mapper en fait. Ça s'appelle le... POP, quelque chose comme ça. J'en ai entendu parler, enfin pour l'instant, pour les repros que je fais, c'est pas encore nécessaire, mais je vais m'y mettre. Comme Repronesse, hein, les Repronesse, j'ai 100 milliards de choses à faire aussi. Enfin, c'est bien parce que je me suis lancé pour le coup dans un petit loisir qui va être sympa. Ah oui, c'est le champion du monde 2016. Titre officiel. Il manque que la plaque. Il marque pas champion du monde, malheureusement. Ah oui, ce stage des enfers. Hop, comment ça débarre? Ça débarre assez rapido. Le troll avec ses lunettes d'aviateur du début du 20e siècle, il est stylé, perché sur sa chouette. Ah, slam dunk. Quand on va peut-être pas jouer jusqu'au bout, de toute façon on n'arrivera pas au bout, je pense, de ce jeu. On va peut-être pas tarder à dasher sur le sujet du jour. Bon, tiens, on va aller voir ce qui se passe quand même derrière la porte. Wow. Voilà, par contre, c'est ce que j'allais dire. Par contre, Nightmare Buster, c'est pas le jeu qui est optimisé quand tu veux lire ton chat en plein stream. Voilà, par exemple. Enfin, du coup, ce fut très sympa. C'était ma première repro. Voilà, je me réassis tranquille. René Haussmann. Non, je connais pas ce dessinateur, petit pelle. En même temps, je pense que t'as une culture de la bande dessinée qui est bien supérieure à la mienne. C'est moi, à part Binet, Larsenet et Franquin. Allez, Lindingre aussi, peut-être, pour certaines BD qui m'ont bien fait marrer à l'époque. Alors, The Fireman. Hop. Du coup, on a oublié de parler. On va parler maintenant du sujet du jour, la Super Famicom. Oh, par contre, ouais. Faut rebooter le jeu. Ça qui est bien avec la Retrofreak, c'est qu'on peut reprendre là où on en était. Oui, Iron Anger, j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, du destin du programmateur du jeu. Et d'ailleurs, en fait, je crois avoir été l'un des premiers à l'époque à avoir testé, en fait, Nightmare Buster sur YouTube. Ça remonte à 4 ans, un truc comme ça. Ah non, mais moi, Gaston, bon, je suis un peu trop gros, je suis un peu trop gras pour être son sosie, mais ce qui concerne mes gaffes, je me porte pas mal, ça c'est clair. Ah, il me faudrait un chat en fait et une mouette. Du coup, une Super Famicom en loose, comptez 40-50 euros, moi j'en ai une pour 20 euros.
voulait s'en débarrasser. Le gars, il était un peu jeune, pas en super état. Et d'ailleurs, on arrive à ce jeu. Tiens, c'est marrant, j'ai pas mis de code sur ce jeu. Ou The Fireman, hein, que j'ai dans un état... Comment dire, c'est le genre de jeu, t'es tellement content de l'avoir dans un état hyper propre que t'as peur d'ouvrir la boîte pour y jouer, quoi. Et c'est un peu dramatique. Jamais vu une noix aussi dure, mais oui. C'est exactement ça. Ah, souvenez-vous, il y a 15 jours, quand j'ai pété mon Velux en direct. C'est mon côté Gaston, ça. Alors, The Fireman, un jeu sur les pompiers. Voilà. Mais c'est pour le coup un jeu assez sympa. Bon, en tout cas, j'aime bien. Par contre, il y a un défaut, c'est... Mis à part son prix en version PAL. Mis à part qu'en version PAL, voilà, quoi. Il y a tellement de cartes modes qui circulent que ça en est indécent. C'est tout comme Nightmare Buster, c'est l'un des jeux les plus faciles, en fait, à reproduire. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver un exemplaire original. Mais pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est parti de ces petits jeux en fait qui sont vraiment assez originales. En tout cas, je trouve que le concept d'un jeu, je sais pas, sur l'univers des pompiers, c'est. Voilà, c'est pas le genre de truc que tu vois tous les jours. Donc on peut faire quoi? Tirer. Ah oui, par contre, si je tire dans les vides, je vais me faire engueuler. Voilà, utiliser un spray. Il y a des bombes. Et quand on laisse R enfoncé et une direction, ça lock la lance d'incendie dans la bonne direction. Il y a une suite sur PS1 Jap. Waouh. Bon, ça va encore faire un jeu que je vais devoir, acheter. Salut, Sblois. Oui, un Fireman pas le complet, oui, effectivement, Beyond a raison, c'est dans ces prix-là. Par contre, un carte mode, c'est 30-40 euros en loose. Quoique, c'est un carte mode de Fireman, allez, ça coûte même pas 10 balles à produire. On en a parlé tout à l'heure. Mais ça, je suis d'accord, ça demande du savoir-faire et tout, mais bon. Pour ça, je pense que j'ai des potes qui m'ont tanné pendant plusieurs années pour que je me lance là-dedans. Ça, ils vont pouvoir se faire des jeux à pas cher. Ah oui, mais effectivement, sur ce jeu, il y a zéro travail à faire. Et à la limite, même si on est un peu fainéant ou fan des artworks japonais, il suffit de reprendre en fait l'artwork japonais et puis c'est bon, hein. D'ailleurs, pour ceux qui commandent des repros, on en a déjà parlé, hein, des fameux boîtiers en plastique qui permettent de mettre tout un tas de choses dedans. Ici, j'ai un boîtier de Mega Man 7, parce que j'ai pas encore fait une étiquette, enfin un label custom pour mon Nightmare Busters. Ah, tu as un Fireman 1 et 2 bien au chaud chez toi. Bah, t'as bien raison. Le pompier Ashton, ouais, avec la moustache, punaise, oui. Mais c'est vraiment Ashton. Y'a des mechas dans le jeu? Bah je regarde, on sait pas. C'est parti de ces jeux que je ne connaissais pas et c'est un pote qui m'avait fait découvrir et genre une semaine après je le trouvais dans une boutique d'import pas loin de chez moi à un prix assez respectable. Je crois que j'avais dû le payer 40 euros à l'époque. C'est parti des premiers jeux que j'ai acheté en import Jap quand j'ai commencé à collectionner. 7-8 ans, facile, ouais. Et ça fait partie de mes pièces préférées sur Super Famicom. C'est pas parce que c'est un jeu ultra rare ou quoi que ce soit, c'est partie de ces jeux, justement, qui sont tellement peu banals que... Et c'est fait par Human. Human, c'est ceux qui ont fait aussi la série des Fire Pro Wrestling, pour ceux qui connaissent. Comment on reconnaît les jeux qui sont des reproductions? En les démontant, malheureusement. Alors, attends. Je vais faire un petit tweet de la photo de Yoi44 qui m'a envoyé tout à l'heure une photo, voilà, du carte mode de Earthbound. Donc, si tu veux voir comment on les reconnaît une fois démontés, parce qu'il y a des fils de partout.
Généralement, alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est pas une communauté, la communauté des gens qui font des repros, des cartes mod, c'est pas une communauté que je connais beaucoup. Mais pour le peu d'opinions que j'ai pu me faire sur certaines personnes, c'est assez rigolo. Il y a des gens qui font des repros et qui les vendent. C'est pas le cas de tout le monde. Et là, c'est divisé en deux écoles, comme dirait Karaté. Il y a l'école du gars qui s'amuse à faire une étiquette, mais en mettant des erreurs dessus, pour faire en sorte que si c'est quelqu'un qui a l'œil, il va le remarquer. Comme par exemple le Nintendo Seal of Quality. Je cherche une cartouche où j'aurai ça pour vous montrer. Alors, mon démon de Kress, c'est en version US. Bougez pas, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà! Un jeu Super NES PAL. Sur le côté, en fait, ici, il y a le Nintendo Seal of Quality. Souvent, les gens le recentrent, ils le mettent plus haut. Et il y a toujours un code SNSP, enfin, en dessous du Seal of Quality, marqué Made in Japan. Souvent, les gens le changent. Mais généralement, t'as la méthode simple, c'est reconnaître à l'étiquette. Quoique, je vois de plus en plus d'étiquettes sur des cartes mod qui sont vraiment bien faites. J'en ai repéré un la semaine passée dans une boutique. Un carte mode de Kirby Superstar, il me semble. Et ah oui, oh oui, Sensible Soccer, ouais. Alors après, dans le genre jeu de foot qui font aimer le foot, Nintendo World Cup, c'est bien aussi sur NES. Comme c'est ce que j'avais à l'époque. Et ouais, sinon après il y a l'étiquette, il y a tout un tas de choses, mais la meilleure méthode, c'est encore d'avoir les tournevis et d'ouvrir la cartouche pour en être sûr. Le problème que je me suis souvent posé, c'est si vous achetez un carte mode dans un Easy Cash ou un magasin comme ça, comment vous faites pour prouver que vous êtes bien. Bah, pour prouver que eux ont tort et qu'ils vous ont vendu une contrefaçon, quoi. Ça, c'est la question que je me pose, mais depuis très longtemps, et j'espère pas avoir à y répondre par la pratique. Parce que comme ils ne remboursent jamais, ils donnent des bons d'achat. Ça la ferait un peu mal, vous ayez payé un jeu le prix fort pour rentrer chez vous, c'est un carte mode, et puis on veut même pas vous rembourser, quoi. Genre, on m'a montré tout à l'heure une photo sur Twitter d'une Amstrad GX 4000 à quasiment deux fois le prix de ce que vous pouvez payer pour la console en neuve. Parce que oui, il y a encore des GX 4000 neuves qui circulent actuellement sur eBay. eBay.co.uk, donc le eBay anglais en fait, il y a actuellement des GX 4000 avec Burning Rubber à 55 euros. Je crois qu'avec 20 balles de frais de port, ça fait 75 euros frais de port compris. J'ai regardé tout à l'heure, je me suis même dit, tiens, bon, ben, si j'avais un peu d'argent de côté, j'en aurais pris une, puis après, tu te dis, bon. Après, c'est vrai, avec l'œil avisé, je suis d'accord, tu le vois à l'étiquette, mais. Ah zut, je me suis tombé de bouton. Je me suis déjà, moi, fait avoir une fois avec un carte mode, hein. Il n'y a pas. Attention, hein, je suis pas infaillible. Hein. J'avais acheté un Mega Man 7, j'avais entièrement confiance au vendeur. Et c'est Beyond, je crois, qui m'avait tweeté en disant fais gaffe, tu t'es fait refiler un carte mode. Ah oui, faut aller là. Ou alors je sais plus qui me l'avait dit. Non, ils ont pas encore envoyé dans l'espace ou enterré dans le désert. Les GX 4000. Si, je vous assure, j'ai regardé tout à l'heure, il y a encore des consoles neuves en vente. Malheureusement, les boîtes sont pas hyper propres. D'ailleurs, le vendeur disait, voilà, je crois qu'il y en a 10 en vente. Et genre, il va pas s'amuser à les trier et à les séparer par état. Enfin bref. Effectivement, Beyond, le jeu Fireman, il est. En une heure, t'en as fait le tour. Ouais, effectivement, c'était toi pour le carte mode. Ouais. Bon, je m'en souviens. Mais ça, c'est un truc que je vous conseille vraiment. Que vous collectionnez même comme ça une fois de temps en temps. Achetez les tournevis, sans déconner. Pour la NES et la Super NES. Sinon, vous achetez deux sets de tournevis, ça coûte 10 euros. Vous pouvez ouvrir tous les jeux Super NES, Mega Drive, NES, Master System, tout. Vous ouvrez tout. Et même aussi les jeux Game Boy.
À partir de la GBA, en fait, il faut un tri-wing. Donc au pire, pour ouvrir toutes les cartouches, il faut 3 tournevis. Et comme ça, au moins, ben... J'ai une Jaguar. Le problème, c'est que quand je la branche dans mon machin pour streamer, j'ai le son et j'ai pas l'image. Alors, j'ai trouvé récemment une technique... polonaise, mais un truc de fou. Hein. Donc, il faudrait que je passe, accrochez-vous bien, par un enregistreur DVD pour faire sortir le signal en composite, entrer le signal composite dans un splitter composite pour mettre après l'un de ces deux signaux composites dans la carte d'acquisition. Ça fait beaucoup de composites, tout ça. Et j'ai découvert ça il y a très peu de temps, du coup je pense qu'on en fera un dans un avenir pas forcément proche. Pourquoi je dis ça? Parce que la manette de Jaguar, elle a un bouton qui est foutu. Le bouton C ne marche plus. Mais la Jaguar, on en rigole, il y a quand même des jeux dessus avec lesquels tu peux t'amuser. J'ai eu un Wolfenstein 3D à Wolfenstein, ouais, je crois que c'est ça. Hein. Attendez, je dis peut-être des conneries. Pas se retourner, regardez. Ah oui, il est planqué derrière. Oui, c'est un Wolfenstein que j'ai eu gratos. La Jaguar, ça s'émule sur Raspberry, je ne sais guère. En fait, c'est très mal émulé tout court, même sur PC. À cause de puces qui sont dedans, qui je pense n'ont jamais été... comment dire, personne ne s'est jamais amusé à ou les décoder ou à émuler ça proprement. Ce qui fait que la 80% des jeux qui sont en 3D sur Jaguar sont hyper mal émulés. J'avais déjà pensé faire un guide du collectionneur en faisant en émulation sur Jaguar, mais c'était juste pas possible. Effectivement, enfin après, je pense que la Jaguar, le pire, c'est pas encore les jeux, le pire, c'est la manette. Le pire, c'est la manette avec ses boutons qui cisaillent les doigts. Et ses boutons façon clavier de téléphone. Encore clavier de téléphone tout pourri. T'as un câble composite? Tu me l'échanges? Bon, ben... je t'appelle, hein, copain. Y'a pas de problème. Sinon, j'ai quelqu'un que je connais qui a un fameux câble composite. Ce qu'il y a, c'est que... bon, je peux le comprendre aussi, hein. Il en a qu'un et il a pas d'autre câble pour sa console, alors il avait un peu peur, en fait, de me le prêter. Et ah oui, je t'appelle, copain. Y'a pas de problème. Si t'es sérieux, t'as vraiment un câble composite et... bon, on va s'arranger. Ah oui, du coup, ça m'a toujours fait chier d'avoir le son et pas l'image. Et en plus, c'est rigolo. J'ai un pote qui collectionne quasiment que de la Jaguar. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que je l'avais invité exprès pour ça. Tu vois, bah, c'est cool. Une heure avant le début de l'émission, on branche la Jaguar dans l'appareil de stream. Et on s'est regardé, mais genre comme deux cons. Genre, bah, c'est bon, on est baisé, on n'a plus qu'à faire autre chose. Et du coup, on avait fait autre chose. Et je me souviens là, ce jour-là, j'avais même prévu de faire un time extension du guide du collectionneur. Je me souviens plus pourquoi, c'était pendant l'été dernier. Et en fait, j'avais obtenu mon time extension, j'étais tout content. Je me suis dit, ah, c'est bien, on va avoir 4 heures, je crois, pour parler en fait de ça. Et puis, bah, en fait, bah, il était venu avec tous ces jeux, mais il était venu avec tous ces jeux pour rien. Mais oui, moi, mais que veux-tu, le cap Péritel, il marche pas, j'ai que du son. C'est Jaguar en composite, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais mis un moteur de 4L dans une Ferrari, c'est bon. Ça va. Je trouve que c'est honnête, en fait. Ouais, c'est vrai que t'as bien fait d'en parler, Yoy, j'avoue. Que la console, je la vois régulièrement. Autant j'ai quasiment toutes les consoles en boîte qui sont bien, enfin, sinon, qui sont pas bien rangées, qui sont empilées les unes sur les autres dans une petite pièce. Mais comme j'ai pas de place. Ou alors il faudrait que je ramène toutes ces boîtes ici, mais genre là sur le côté, vous allez avoir une pile de boîtes qui va monter jusqu'au plafond. Et j'ai pas envie de dormir à côté de toutes ces boîtes.
crois que ça peut être un jeu en fait pour dormir. Tu comptes les boîtes. Je suis sûr Beyond il fait ça pour dormir en fait. Il compte les jours en boîte. À un quart de la première étagère déjà, il roupille. Par contre, oui, jeudi, le second épisode du podcast du collectionneur, donc sur ma chaîne perso, à 21h. Et attention, je veux une photo du setup de Beyond This Life. Je veux une photo de ton setup. Je veux qu'on voit le verre à moutarde d'Astérix dans lequel est mis le, le micro Rock Band. Je veux voir ça. En fait, moi, c'est pas que je suis radin au point de pas acheter un câble. C'est que le câble, je me connais, il va servir qu'une fois. Et puis en animation, je vais pas mettre une Jaguar, les gamins, et... ils vont me jeter des pavés, quoi. Ils vont me jeter des pavés. Ils vont se dire, mais pour qui nous prend, lui? Ou alors, ils vont faire une réflexion du genre, mais c'est pourquoi t'as ramené tes poubelles, enfin bref. Hop. Ça fait un peu Oncle Picsou, ouais. J'avoue, j'avais pas pensé à ça. Ouais, en fait, c'est vraiment con la Jaguar que ça a toujours été très mal émulé. Parce que du coup, il y a pas mal de saveurs aux côtés desquelles vous êtes sans doute passé. Comme Kasumi Ninja. Ah, un jeu délicieux. Pour la petite info, je parlais tout à l'heure d'un pote qui collectionne, entre autres, pas mal de Jaguars. Il recherchait le jeu. Et je l'ai trouvé à un magasin à... Allez. Qu'il vient très régulièrement. Et il m'avait invité, en fait, sur une radio associative. Donc j'étais venu pour tailler le bout de gras. Et je me suis pointé avec le jeu. Genre 5 minutes avant l'interview, il était assez dégoûté. Mais moi, ça m'avait bien fait rire. Du coup, à la fin de l'interview, c'était « Bon, je viens quand jouer à Kasumi Ninja ?» Bah, quand tu veux. C'est Fireman le jeu, ouais. J'ai oublié de mettre à jour sur Twitch, mais c'est pas grave. Je le ferai à la pause, donc je suis une petite dizaine de minutes. C'est Fireman et en version Jap. D'ailleurs, j'ai même pas regardé... Étonnamment, j'ai pas regardé la cote de ce jeu. Ah, c'est le Mortal Kombat du pauvre. Ben, envoie-moi le lien sur Skype, moi, y a pas de souci. Je mettrai dans le chat, ça peut intéresser. Merde, je suis retourné d'où je suis venu. Voilà. Black Belt, si tu connais pas The Fireman, c'est émulable très facilement. Il y a une version française intégrale qui est pas une ROM traduite, hein, qui est une version française d'époque. Qui est pas mal, et justement, en fait, j'en parlais. Ouais. Bon, ce stage, j'ai jamais compris comment le passer proprement, alors du coup, je bourre. Et en fait, si j'ai voulu faire le jeu, c'est parce que prochainement, je vais faire une reproduction française de ce jeu. Parce que moi, ça me saoule d'y jouer sur ma Super Famicom. Oui, mais Kasumi Ninja, bon. On en reparlera une autre fois. C'est vraiment un jeu délicieux, voilà. Ah oui, il faut l'arroser, voilà, avec le sprinkler, oui. Malheureusement, The Fireman, c'est un petit jeu quand même assez court. Mais c'est assez rigolo. Il y a un petit scénario, c'est assez rigolo d'ailleurs de voir dans la version française. En PAL, ouais. Enfin, c'était en version Jap, en fait, que je voulais voir la cote. Comme ce soir, en fait, c'est Super Famicom. Hop. Je me réinstalle confortablement sur mon siège. Si, effectivement, c'est le jeu avec le pire character select screen du monde. Et c'est particulier comme jeu. J'irai le chercher pendant la pause, je vous montrerai que je l'ai. Vous pourrez constater que je vous mens pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bien comme jeu. Hop. Ah oui, c'est Retro Gaming Câble, moi. Effectivement, ouais. Je connais, bah attends. Voilà, je vais profiter pour mettre pause.
copier le lien. Voilà, donc si jamais vous recherchez un câble d'une console rétro, paf, c'est le lien de moi. Et apparemment, ça a l'air bien, mais je connais, hein, j'ai un pote qui m'avait déjà... Il m'avait déjà parlé d'eux, j'avais dû mettre, je pense, le lien en favori sur mon PC d'atelier, sur mon PC que j'utilise quand je répare des bricoles, pour genre afficher un PDF ou une connerie comme ça. Parce que récemment, je me suis fait un petit coin, en fait, pour pouvoir bricoler tranquille. Et j'avoue, ça aussi, ça change la vie. Et comme ce coin permet de poser... un PC, on essaiera de faire du stream réparation un peu plus régulièrement. On verra, j'ai une Game Gear à faire. Ah, c'est la mienne de Game Gear. J'ai un pote qui avait une Game Gear à réparer pour pas faire galérer. J'ai pris les condensateurs de ma Game Gear. Du coup, il y a une Game Gear à faire. Je vois bien les créateurs de Mortal Kombat, Boon et Tobias, devant Kasumi Ninja, en train de se dire une bière à la main, c'est de la merde, arrêtez de faire des jeux. Mais il y a pire, il y a un jeu qui est un clone de Mortal Kombat, on peut le dire, où ils avaient carrément l'acteur qui faisait Johnny Cage dans Mortal Kombat 1. Et en fait, ils se sont aperçus de ça, de Boon et Tobias, et ils ont, entre guillemets, tué le personnage de Johnny Cage en représailles. Je sais pas si vous aviez su cette histoire. Comment il s'appelle déjà ce jeu? Je sais qu'il est pas bien, mais... Et j'y ai déjà joué en plus. Je me souviens plus. C''est vraiment un jeu de chiasse. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu Johnny Cage pendant je sais pas combien de... d'épisodes. La vidéo avec les Fatalities. Bah en fait, comme j'ai un bouton qui marche pas sur la manette de Jaguar, j'arrivais même pas à faire certains coups spéciaux. Donc pour ceux qui n'étaient pas là en début de stream, quand j'ai fait les annonces, hein, je vous le dis, à partir de mi-juin, ben le guide du collectionneur, ce sera le dimanche midi, 13h-15h. Et comme ça, ça pourrait être cool, je pourrais réessayer d'inviter des gens, pouvoir parler collect, parce que j'avoue, en semaine, c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Ah, juste là, je crois que c'est le passage où il faut se dépêcher. Voilà. Ah, salut Bifrost. Mais tu n'es pas modérateur sur la TV, toi, Bifrost. C'est étonnant. Pourtant, c'est la télé des barbus, c'est la télé des moustachus, je comprends pas. Pas assez de barbe, sans doute. Voilà. Non, 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 on ne parle pas de la Go Winch sur PS1, non. C'est un grand principe de vie, on n'en parle pas. Je sais que maintenant, ça fait un an où c'est une blague privée entre nous, à chaque fois qu'on se parle, tu veux m'envoyer le jeu. J'ai pas envie de redéprimer, je te le dis d'avance. J'ai pas envie de redéprimer. Voilà. Hop, une bombinette. Bah, du coup, bah, dans 5 minutes, on va faire la pause et puis on reviendra après pour du petit jeu sympa aussi. Bah, quoi, on a un super Adventure Island, on a un super Genjin, où il y a pas mal de choses à faire. Retro Gaming avec du poil autour. Pas mal. Par contre, il me dit de retourner par là, lui. J'ai pas envie de retourner là. Data room, il y a peut-être un truc ici. Et voilà pourquoi en fait je veux faire un... je veux me faire un carte mode français de ce jeu. C'est pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Fais pas le con. Non, 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 non. Je suis un malade. Hey, je vais pas faire le fou. J'ai Révolution X
sur Mega Drive et sous blister, monsieur. Est-ce que vous pouvez rivaliser avec ça? Sous blister. Non, la dernière fois que j'ai montré le jeu, le stream avait planté, ça avait été les galères, donc... Je vais même éviter de mentionner ce jeu. Wow. Ah zut! Ah mais justement, je n'ai aucune envie de le sortir son blister. D'ailleurs, c'est même rigolo. Quand j'ai acheté le blister, quand j'ai acheté sous blister, il était dans un état nickel. Et avec les années, à force de le trimballer un peu partout, que ce soit pour le montrer à des potes pour le faire marrer, ou dans un déménagement, genre de choses, le blister il est défoncé. Je crois que c'est le jeu en fait qui veut pas rester dans son emballage. Il est tellement pourri le jeu qu'il fait fondre le plastique, c'est assez drôle. En tout cas, ça me fait marrer. J'ai pas grand chose sous blister, mais ça fait partie de ces petites pépites qui me font marrer. Comme l'accessoire qui fait tir automatique sur Master System. Je l'ai sous blister, il défonçait le blister, mais... Tiens, parlant de Super Nintendo, j'ai acheté récemment une super manette, hein, une Ori Fighting Commander, qui est certainement le premier Fighting Commander de chez Ori avec 6 boutons alignés. Si vous cherchez une manette pour jouer à Street 2, c'est goldé. C'est vraiment très bien, surtout que je l'ai eu à un tiers de son prix, alors je vais pas m'en plaindre. En plus, ça fait même le tir automatique, alors vous pouvez, mais... faire plein de choses avec, elle est stylée. Alors on a un petit moment pour la prendre en main, parce qu'en fait les boutons B et Y sont un peu décalés, mais c'est vraiment la bonne cam. Club japonais de Mortal Kombat sur Saturne. Oula, je connais pas. Autant, je disais tout à l'heure, il y avait un jeu où l'acteur qui faisait Johnny Cage, il était apparu et apparemment Boone et Tobias, il l'avait viré de la série. Et ce clone, le clone dont tu me parles, je ne vois pas. Alors, Voyeur, on l'a déjà fait, Bifrost. Je t'invite à aller voir la VOD, parce que je le referai pas. Ça, c'est sûr. Ouah, j'avais oublié ça. Il a une pure moustache quand même, ce pompier. J'ai une caisse usine de Virtua Fighter. Ah oui, ouais, Team Battle, ouais. À un moment donné, on les voyait à... Vraiment pas cher, ces trucs. Mais pourquoi il va me laisser sortir, monsieur? D'accord. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. D'accord, j'ai tout cassé, quoi. Ok. Ça, en fait, c'est le jeu qui me dit « T'as tout cassé, c'est le moment d'envoyer la pub. » Voilà. Bah écoutez, pub, puis on revient après, du coup. Ah oui, c'est vrai, j'avais aussi un Demon Crest à jouer. Bon. Allez, on revient, et puis après, on aura donc du Demon Crest, du Super Adventure Island, du Super Genjin, enfin... Tout ça, tout ça. Oui, il y a Ashton dans le jeu, effectivement, c'est ça qui est... C'est ça qui est étonnant. Allez, petite pause de 5 minutes, le temps d'aller chercher un verre d'eau, et je reviens.
paf. Allez, de retour dans la dernière partie du guide du collectionneur. Je vais, comme d'hab, bien me rasseoir tranquille. Tout à l'heure, j'avais donné... Enfin, moi, avait donné un lien que je vous ai transmis. J'ai un pote qui a commandé des alimentations chez eux. Je dois avouer que je les ai pas encore vus. Je vais essayer de faire en sorte qu'il les ramène, bah, tiens, ce week-end. Et aussi essayer de les tester. De voir vraiment si, par exemple, si c'est du 5 volts, il y a effectivement bien un 5 volts qui sort et non pas 7, par exemple. De quoi? Ok. Enfin, des blagues privées qui circulent sur Skype. Allez, du coup, on va jouer à Demon Crest. Voilà. Par contre, pour jouer à Demon Crest, il faut faire reset. Voilà. C'est mieux. Alors, Demon Crest, un jeu que j'ai chopé en version US. J'avais eu pour combien? Ah oui, oui. Il était en vente à 80 euros. Or, la personne qui le vendait me devait 60, j'avais dû le payer un truc comme 20 euros. Remercions les gens qui ne payent pas leurs dettes. Ou alors qui les payent plus tard avec des jeux. Mais Kasumi Ninja, c'est encore plus pathétique parce que, étant donné que vous pouvez pas émuler le jeu, faut le vrai hardware, du coup, quand il joue, ben t'es pas saucé en fait. Tu te dis vraiment c'est de la merde. Oui, j'ai oublié d'aller le chercher. Ah là là. Ah, il est là, j'ai eu peur. Ah oui! Bah, pas qu'on me traite de menteur! Kasumi Ninja, les mecs! Kasumi Ninja! Bon, derrière la boîte, elle a un peu morflé. Mais c'est normal, je veux dire, quand t'as un jeu comme ça, t'es obligé de te venger sur la boîte, qu'est-ce que tu veux y faire? Il est complet, il y a AGM, la notice et tout. Hein. La notice, d'ailleurs, petit scoop, elle est en noir et blanc. En même temps, c'est déjà une chiasse immonde en couleur. Gargoyle's Quest 2 sur NES complet. Oh, aucune idée de combien ça cote. Je sais que c'est pas un jeu qui est commun. D'ailleurs, il me semble qu'il n'existe pas en PAL. Si je dis pas de bêtises. Ah, attention. On va laisser l'intro. Je vais regarder un Gargoyle's. Putain, je tape comme un cochon. Gargoyle's Quest sur NES. Ah si, c'est sorti chez nous, effectivement. Ouais, fin de vie de la NES. Mais par contre, j'ai aucune idée de combien ça cote. Je serais curieux de savoir. Là, je le vois en loose aux alentours de 50-60 euros, un truc comme ça. Complet. Les jeunesses, c'est compliqué, parce qu'en fait, faut vraiment prendre en compte l'état des boîtes, et il y a beaucoup de gens en fait dans ce qu'ils vendent, que ce soit sur eBay, Le Bon Coin ou dans les magasins, qui prennent pas en compte l'état des boîtes, et du coup... Oh putain, what the rush. Ah ouais, quand même. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Wouah. Ah ouais, effectivement, ça pique. Ok. Ok, parce qu'actuellement, il y en a un en Europe qui est en vente et il est 369 euros. Et c'est un Suisse. Donc bon. Du coup, le Demon Crest, en fait, si vous cherchez une version de Demon Crest et si vous avez une console désonnée, je vous conseille à la limite plus la version US. Parce que c'est déjà beaucoup plus abordable. Après, sinon, il y a des cartes modes qui circulent. Ça, je vous le dis aussi. Tu l'as eu pour 20 balles. GG. Bah écoute, moi je suis pas le genre de personne à être jaloux quand quelqu'un a fait un bon plan. Au contraire, je dis bah c'est bien pour toi. Les Suisses, ouais, ils ont pas la même notion de l'argent que nous. Ah non, mais actuellement il est. Demon Crest, pour revenir à Demon Crest, fait partie de ces jeux qui ont jamais baissé. Au début où je commençais à collectionner, une boutique où j'achetais pas mal de jeux. Pas mal chez moi qui depuis a fermé, et c'est con parce que le nombre de bonnes affaires que j'avais fait de la fête là-bas, c'était violent. Alors faut que je me réhabitue à la physique du jeu. Ça fait un an que j'y ai pas joué.
sur le bon coin en plus. Ben dis donc. Ben j'ai, encore une fois, GG. Hein. C'était comme pour Symphony of the Night, trouver à 1€ dans un bac à jeux pourris en Belgique, à Moucron. C'était très drôle. Surtout que quelques jours avant, j'ai souvent raconté cette histoire, mais quelques jours avant, c'était mon père qui m'en avait payé un pour 70, qui avait payé 70€ pour mon anniversaire. Voilà. Faut avoir le sens du rythme en fait pour jouer à Demon Crest. Je manipule la RNG. Non. Je manipule rien du tout. Je manipule mon incompétence surtout, je pense. C'est vrai, on est dans la thématique hein, pour Gargoyle's Quest. J'avais le 1 sur Game Boy. Je l'ai toujours d'ailleurs. Enfin, le jeu, je l'avais revendu à l'époque, mais j'avais dû racheter la cartouche sur une brocante. C'était un gamin qui le vendait, oui, je l'avais payé 1€. Et c'est parti de ces jeux en fait que. Donc, moi et un de mes cousins, on se souvient, mais pas pour les bonnes raisons. C'était vraiment pour sa difficulté. Et le 2 sur NES, par contre, j'y ai joué un peu en ému, il est vraiment sympa. Par contre, comme j'allais voir la cote, là, j'ai pas tellement envie de m'amuser à en trouver un. Quoi que je verrai, hein, si ça peut faire une repro. Ça peut exister avec une trad française. Ça pourrait être cool. Vous n'avez pas honte. Pas forcément. De quoi, d'avoir payé le jeu à 1€? Non. Aucun scrupule, hein. Non, j'ai aucune honte. Je vais vous dire pourquoi, mon bon monsieur. J'en connais plein qui auraient marchandé. J'en connais plein qui auraient été capables de marchander et dire « Ah oui, mais... Ah, c'est bon, 50 centimes, quoi. » Des patterns de ce boss, mais alors c'est violent. Surtout quand t'as pas joué à ce jeu depuis un an. Ah oui, mais c'est vrai. En parlant de triche, j'aurais pu tricher et mettre un code pour avoir les vies infinies. Y a ça dans la Retrofrix. Y a possibilité de faire ça et puis de mettre aussi des. Ok, c'est aussi simple que ça ce boss. Ouais. Possibilité d'appliquer des patchs aussi sur des RPG. Hein? Ok. D'accord. De quoi? C'est à cause de la télé 3, j'ai pas compris. Ce week-end, j'ai vu l'un de mes versus préférés sur Neo Last Blade 2. Ah ouais, non mais c'est... De toute façon, le marché du rétro, ça a toujours été n'importe quoi. Le problème, c'est que bah, c'est pas prêt de s'arrêter. Cet après-midi, on allait en faire un tour dans une boutique où je vais régulièrement. Je sais plus avec qui je parlais, en fait. Ah oui, il y a un type qui me parlait, en fait, qui me disait, en fait, que... Bah, la PC Engine, il y a quand même pas mal de jeux qu'on peut trouver qui coûtent pas cher. Pour lui, ça, 50-70€, c'était pas cher. Attention, hein, c'était pas quelqu'un qui avait l'air de rouler sur l'or. Hein. Je me suis dit, ouais, mais le mec, on n'a pas la même notion de l'argent, tu vois. Mais bah là, mais genre pas du tout. Ce bruit de paix de Super Nintendo, de quoi? J'ai pas compris.
Bah, du coup, dans mon intro du podcast de jeudi, je dirais de la petite pelle que c'est l'homme qui entend des bruits de paix émanant de la Super Nintendo, d'accord. Hop. Là, on pourra revenir plus tard ici. Il y a un endroit où on peut passer si on a le bon truc. Alors, pour ce qui est le prix des PCB du jeu arcade, j'ai aucune idée. Ça, je dois avouer. J'ai arrêté de suivre les prix, en fait, du marché de l'arcade depuis très longtemps. Mais bon, c'était rigolo parce que le gars, tout à l'heure, il me disait « Ouais, non, mais la PC Engine, il y a des jeux pas chers. » Et la phrase d'après, c'était « Wow, de toute façon, hein, c'est pas pire que la Neo Geo avec un Metal Slug. » Oui, je pense que c'est ça, Bifrost, c'est un fan du chipset de la Mega Drive. Belmondo cascade, je fais une esquive. je crois que c'était l'action de la soirée. Ah voilà. Faire l'action de la soirée comme ça et après faire de la merde, autant rien faire. Personnellement, j'ai toujours dit, hein, je n'ai rien contre les gens qui mettent le prix pour se payer un jeu qu'ils veulent. Chacun fait ce qu'il veut. Aucune jalousie, mais ou animosité envers quoi que ce soit. C'est... Chacun fait ce qu'il veut. Après tout, j'ai bien des guitares qui valent. J'ai même deux guitares qui valent le prix de 3 Metal Slug 1 sur Neo. C'est bon. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ah, c'était une boutade, d'accord, oui. C'était un truc qu'il fallait gagner à la cave Matsuri, d'accord. Ok. Ok, je n'ai rien dit. Salut El Coco, salut, salut. Ah, Neutopia 2, oui. Voilà, ah, voilà. Je voulais skipper le dialogue. Voilà, nickel. Ah, ça lui vient du coup. C'est cool, El Coco. Du coup, on en était dans la discussion. Ouais, voilà. Les jeux qui coûtent un bras. Bon, après. Wow. Voilà, c'est là où je voulais aller. Ah oui. Ma fameuse vidéo où j'ai réussi un carte mode. Bon, j'ai réussi à enfoirer un autre depuis, donc j'ai rétabli l'équilibre de l'univers. Hop. Je ne savais plus qu'on pouvait casser ces vitres ici. Enfin bref. Ah ok, donc t'es tout récent dans le chat de rétro. Lui, on peut lui parler, je me souviens plus pourquoi il faut lui parler. Oui. Voilà. Je crois qu'il faut revenir lui parler après, ou quelque chose comme ça. Ah, les Everdrive, c'est très bien, j'en ai deux. Hein. Un Super Nintendo et un pour la PC Engine. C'est très bien, je dois avouer. Les cartes mode, hein, je me suis lancé là-dedans purement par hobby, parce que ça doit faire 3 ans que j'y pense, et ça fait un an que j'ai des potes qui me tannent quasiment chaque semaine pour me lancer là-dessus. Du coup, j'ai un peu pris ça comme challenge. Et en fait, savoir programmer des puces comme ça peut servir un tas de choses. Ah zut! Ah, on peut pas revenir en arrière. Ah bah, de toute façon, j'ai pas la bonne transformation de Firebrand, donc c'est bon.
C'est vrai que ça aurait été bien un Gargoyle's Quest 3, je dois avouer, mais malheureusement, bon... Capcom, c'est un peu c'est un peu comme Sega, en fait, hein. Ils ont des licences, mais... Pourquoi faire? Voilà. Ah, il y en a beaucoup qui le font déjà, le FF6 traduit en carte mode. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui le font. Mais pour l'instant, c'est clairement pas de mon niveau. Là, je me lance dans des projets très très simples pour débuter. C'était pas là où il y avait quelque chose. Ah oui, là, c'est le boss. Ouais, c'est le fameux boss qui... Oui, les Everdrive, c'est les cartouches, ouais, avec les... Avec une, un port SD, en fait, tu peux mettre une carte SD et des ROM dessus. Ah zut, c'est pas grave. Donc, on va se redonner quelques minutes pour essayer d'avancer sur Demon Crest, sinon après on a encore 2 ou 3 jeux. Voilà, nickel. Et du coup, les Everdrive, c'est bien. Pour le peu que vous ayez, par exemple, une Super Nintendo dézonée, jouer à tous les jeux de la Terre, peu importe la zone. Moi, j'avais une Super NES dézonée qui fonctionnait avec tout, sauf genre même poignée de jeux, à peine une dizaine, genre Mario RPG, des trucs comme ça. J'ai fait la bêtise abyssale de vouloir tenter de la switcher intégralement. Et du coup, bah maintenant, je suis obligé de me trimballer 2 consoles, en fait. Pour pouvoir jouer à tous les jeux avec l'Everdrive. C'est un peu con. Et n'oublions pas un nouveau Wonder Boy qui n'existera jamais. Oui. Il y a tellement de licences de toute façon chez Capcom, Sega et Konami aussi. Ne les oublions pas. On les oublie trop vite en fait, Konami. On les oublie trop vite dans le genre. Je massacre mes licences et... Et j'ai un stock faramineux de licences inexploitées dont tout le monde se souvient et dont on n'en a rien à cirer. C'est ça qui est un peu dommage. Une vidéo sur les Everdrive, j'en ai fait... attends, que je dis pas de bêtises. Quand j'ai eu mon super Everdrive, il y a une vidéo qui date d'il y a plus de 3 ans là-dessus. À l'époque d'E-Live, il me semble, j'avais fait une vidéo là-dessus. Elle doit être sur la chaîne YouTube, mais... Prochain coup qu'on fait de la Super Nintendo et que j'ai récupéré mon... SCART ou HDMI converteur, qui là j'ai laissé sur un lieu d'animation pour pouvoir retransmettre sur un rétroprojecteur qui faisait que de l'HDMI à un Mario Power Tennis sur GameCube. Du coup, ouais, à l'occasion, il n'y a pas de souci. Déjà, le Turbo Everdrive dans un guide du collectionneur, même un Open Bar PC Engine, je l'avais fait. Je l'avais sorti. Et il est vraiment stylé, je dois avouer, le Turbo Everdrive. C'est vraiment de la bonne cam. Il y a juste un petit switch, en fait, sur le Turbo Everdrive pour passer, en fait, de Jap à US. Du coup, ce qu'il y a bien, c'est que si vous avez les deux consoles, comme moi, qui est une TurboGrafx, c'est bien, du coup, comme il y a une poignée de jeux qui sont exclusifs, du coup, ça peut être intéressant. Et sur la carte SD, j'ai même mis le ROM 7 complet, pas les NTSC. Et ce qu'il y a bien avec les Everdrive, c'est que ça permet de jouer au Homebrew, les ROM hack de Mario World, des choses comme ça. Voilà, il est chiant. Du coup, comme il est chiant, on va passer à la suite. Je regarde mes notes. On va se faire un petit Super Adventure Island. Parce que pour le coup, Adventure Island, c'est un peu le classique. Alors, Super Adventure Island. Paf! Est-ce que je vais avoir besoin de redémarrer le jeu? Non, c'est parfait. Ouais, en fait, El Coco, t'as un peu raison. C'est le problème que j'ai avec... Bah d'ailleurs, mon Super Everdrive, il est... Ah bah, je vais le chercher. Hop là, il est juste ici. Pourquoi en fait je l'ai toujours à proximité? C'est parce que je m'étais fait un petit setup en fait pour jouer le soir à la Super Nintendo.
Et du coup, voilà, donc voilà, hop, ici, carte SD, et puis en fait, vous mettez ça dedans, et vous êtes bien. Hop, voilà. Perso, le Super Everdrive, je l'avais payé combien? J'ai dû payer ça, un truc comme 40€ sans la carcasse. Et le Turbo, je l'avais payé 70, mais attention, c'est un exemplaire de pré-production. Les nouveaux exemples, enfin les nouveaux Turbo Everdrive, il me semble que tu peux mettre à jour le firmware ou genre de conneries comme ça. Par contre, ça fait 3 fois que j'oublie d'appuyer et que je laisse tourner l'intro. Les copies chinoises d'Everdrive, j'ai des potes qui en ont pris et qui n'ont pas été déçus. Par contre, n'ayant pas testé moi-même, je peux pas dire. Hop. Alors ceux qui ont jamais joué aussi à ce jeu, bon, c'est moins grave déjà qu'avec The Fireman ou Nightmare Busters, on est d'accord. Mais il est sympa. Par contre, il a toujours les défauts d'Adventure Island sur NES. Et d'ailleurs, je trouve même la musique dans celui-là, mais anti-charismatique. Et d'ailleurs aussi le skateboard, avec le casque comme ça et des skates où il y a juste un tel et pas de nose, ça n'existait plus dans ces années-là. Ça n'existait plus. Donc je sais pas où ils ont trouvé ça chez Hudson, mais ça n'existait plus. Il fallait mettre à jour le skateboard, les gars. Ouais, effectivement, ils ont pompé sur... c'est Kriegs qui fait les Everdrive. Mais il y a plein de gens qui sont mis à faire des trucs comme ça. Comment dire, des cartouches flashées, qu'un type qui s'est amusé à faire le même genre pour le Game Boy. Et c'était au point avant même que... Ben, que ce soit Kriegs ou d'autres personnes se mettent à produire ce genre de trucs. Ouais, voilà. Le problème de Super Adventure Island, c'est comme dans Adventure Island, à savoir, voilà, le run en fait qui est pas super optimisé, quoi. La course, c'est... D'ailleurs, c'est rigolo, c'est un jeu qu'on peut trouver pour 15-20€ en loose. J'avais acheté le mien. Voilà, c'est passé. J'avais dû payer le mien un truc comme 20€ en boîte, mais il n'y avait pas la notice. J'avais acheté ça chez Gameswave à Lille, ça remonte il y a quelques années. C'est parti de ces jeux en fait que quand j'achète un jeu chez lui, je m'en souviens tous les coups. Ben, d'ailleurs The Fireman, en même temps vu l'état. Hop là. Alors, le big défaut du jeu comparé aux différentes versions sur NES, c'est la musique. Clairement, c'est vraiment pas terrible. McDo Treasure Island, c'est celui qui est fait... c'est celui qui est fait par Treasure, il me semble, non? Je vois moins que je confonds avec... avec un autre. Non! Et voilà. Là, c'est le drame. Je sais, me souviens plus si c'était un jeu du line-up de la Super Nintendo, mais... C'est pas un mauvais jeu, hein. On voit graphiquement qu'on passe de... de Takashi Meiji Nobukenjima sur Famicom à ça, c'est... Voilà, là tu dis, effectivement... La Super Nintendo, elle en a dans le tiroir, y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, bah, y a pas grand-chose qui a évolué entre-temps. C'est ça qui est un peu dommage, bon... L'Adventure Island sur NES, c'était un bon jeu, mais c'était bien pour l'époque. Et que là, il n'y a vraiment rien qui a évolué, et du coup, c'est un peu triste. Au contraire, même, ils ont réussi à faire des musiques, mais vraiment pas top. Essayer de rester concentré au moins jusqu'à la fin du stage. Voilà. Ah, c'est pas celui avec les gosses, d'accord, ok. Celui avec les gamins, c'est McKids, je crois, un truc comme ça, non? Enfin bref, je sais que des jeux à licence McDo, il y en existe malheureusement des tonnes.
En fait, je viens de calculer pourquoi je me souviens avoir acheté ce jeu et quand et sous quelles circonstances. J'étais en fait obligé pour le travail de suivre une formation toute moisie. Et pendant en fait l'heure du repas, je me faisais chier à glander dans l'île. Et du coup, je m'étais arrêté à Gameswave et il y avait le jeu. Pour tenter de compenser le fait que je passais une journée de merde. Ah d'accord, ok, t'as pas le droit de sauter au-dessus, c'est bien. Entre Wonder Boy et Adventure Island, ouais, c'est ouais. Le grand débat. Ah mais putain. Le grand débat, qui a copié qui et sous quelles circonstances. Bon allez, je me donne une dernière chance quand même sur ce jeu, de toute façon après on a. On a pas mal à faire, j'avoue. J'ai encore une fois prévu de parler de 50 millions de trucs. Ok, donc ça faut vraiment speeder, sinon. Et encore là, avec la Retro Freak, je joue sans lag, hein. C'est pas comme d'habitude avec le vrai hardware où je joue avec un lag dégueulasse. Du coup, je joue à ce jeu. Non, là c'est honteux. C'est honteux, monsieur. C'est sur Mega Drive les jeux qui changent de nom en fonction de la région. Il y a Street of Rage, il me semble, qui est notoire pour ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez vous faire l'intégralité des Takashi Meijin no Bukejima sur Famicom, faites attention. Il y en a un qui est une sorte de spin-off de la série et qui est dégueulasse. Il a une cartouche rose bonbon. Je me suis fait avoir comme ça. Je me suis dit, tiens, il est pas cher le jeu, c'est cool. Punaise, mais... Voilà. Enfin, le jeu, tu vas quand même pas... Voilà. Je vais quand même pas m'embêter pour un saut. Ouais, Bare Knuckles, oui. Ils ont ressorti la BO d'ailleurs de Street of Rage sur vinyle il y a pas longtemps. Non, moi, tu ne fais pas une fixation sur Megaman. Pas du tout. On va en parler ça d'ailleurs dans le podcast du collectionneur. Est-ce que moi fais une fixation sur. Megaman, putain, ce boss. J'ai pas le temps de voir trop à quoi il ressemblait. Oh non, mais... Non. T'as pas le droit de faire ça, le jeu. Très sincèrement, non. Et en plus, il te donne mais une arme mais super utile. Ça fait penser au caillou dans Vendredi 13 sur NES. Un jeu délicieux fait par LJM, pour ceux qui connaissent. Ok. En fait, j'ai jamais su vraiment l'histoire en fait d'Adventure Island qui a copié qui. Dis donc, réussir à faire deux sauts comme ça d'affilée. C'est le précurseur de Dark Souls, ouais. Enfin, c'est peut-être aussi le précurseur de... Ah, ce jeu génial. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Ah là là. Un jeu qui était en arcade, c'était un... Ah. Ils ont tenté de faire une pseudo-version NES et c'était tout pourri. Dragon's Lair, voilà, merci mon cerveau. Mon cerveau a autant de lag que le SCART tout HDMI converteur, et ça, c'est très propre. Non, mais non, le jeu, non. Non, là, non. Un indice chez vous. Du coup, ben, Sega mauvais, c'est game over. On va en profiter pour se faire un petit... Super Genjin. Donc j'ai même le Kirby Super Deluxe que j'ai acheté il y a pas longtemps d'ailleurs.
J'ai dumpé la ROM. Hop. J'piff, Super Genjin. Ah, Bernacle, le 3. On va essayer de rester dans dans des jeux qu'on peut encore se payer sans se priver de manger pendant un mois. Ce serait bien. Et en plus, comme apparemment les Repro Mega Drive. Après, j'ai pas encore essayé, mais pour en discuter avec pas mal de gens qui font des Repro, paraîtrait-il que c'est bidon. C'est même tellement bidon que même dessouder en fait l'ancienne épreuve, c'est plus simple. Bon, j'ai pas essayé moi-même. Pour l'instant, j'en resterai à la Super Nintendo. Il y a des trucs très simples, on verra bien. Je vais peut-être pas non plus faire une vidéo à chaque fois que je ferai une repro ou un truc comme ça. Mais bon, comme c'était la première, j'ai voulu tester. Hop, wow. Ah oui, donc c'est donc Bonk, pour ceux qui connaissent. Mais, et là vous allez dire, un jeu Bonk qui est pas sur PC Engine, sacrilège. Ben, il existait déjà FC Genjin sur Famicom. C'était pas mauvais, là encore une fois, et on reste en plus encore chez Hudson, hein. D'ailleurs, quand je mets poste, ça m'en noir et blanc. Je me souvenais plus de ce détail. Et tout comme en fait les PC Genjin sur PC Engine, il y a un souci en fait avec Adventure Island. On voit qu'en fait Hudson, dès l'instant ils développent un jeu qui n'était pas sur leur console à eux, bah ils aient service minimum. D'accord. Il y avait un bonus stage ici. Ah effectivement, j'allais parler de la maniabilité et tu vois c'est... Plus la première fois où j'y ai joué, c'est parce que je voulais streamer le jeu, donc là acheté. Je me suis dit tiens, ça va être cool. Donc j'y jouais avec mon fameux convertisseur. Et oh la vache, le lag les enfants. Ça plus les contrôles qui ont un délai. Bon, c'est pas pire que dans Spider-Man sur Game Boy. Je crois que si un jour on fait à parler de ça dans le podcast ou dans le guide du collectionneur, ça va être le drame. Non, par contre, voilà. Là aussi, c'est le problème de ce jeu, c'est que comme les contrôles sont un peu... Ils ont été un peu escamotés. Là, faire un bonus stage qui dure une minute, je sais pas si c'est une bonne idée. Quand t'as une maniabilité approximative. Puis même les musiques, hein, je les trouve pas top dans ce jeu. C'est la maladie Hudson, en fait. Tu mets des beaux graphismes, mais... Ah, Virtua Racing. Il est émulé proprement sur le Raspberry, je confirme. Hein, j'avais testé. Ok. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui connaissent, ils n'ont jamais joué un PC Genjin. Alors, attention, hein, la fleur, c'est un bonus stage. Alors, si, pour le coup... Ah tiens, on va en faire un. Ça pourrait être rigolo. Parce que, pour le coup, il y a des bonus stages qui sont... Ah non, celui-là, il est chiant. Mauvais exemple. 65 secondes, non mais vous déconnez les mecs. D'accord. J'ai une barre de vie, tu vas me dire que je peux mourir dans un bonus stage? En plus, ils ont quand même bien pompé une musique du domaine public pour faire ça, c'est la propreté. Voilà.
Virtua Racing, comme j'ai pas l'Everdrive de la Mega Drive, je pourrais pas dire si ça fonctionne. Je sais que l'Everdrive de la Super Nintendo, du moins pas la version chinoise, la vraie version, je sais qu'il y a des jeux qui ne passent pas. Parce qu'ils ont besoin d'une puce spéciale. Mais, pour ceux qui ont les moyens, il y a mieux que l'Everdrive, pour le coup, il y a le SD2 SNES, qui est vraiment très bien. Et bah, faut avoir envie, quoi. Surtout maintenant. On voit le prix que ça coûte, un Raspberry. Ah oui, voilà, j'avais oublié qu'il fallait monter par la cascade. Et, en tout cas, Super Genjin, c'est un petit jeu que vous pourrez trouver pour 10€ en loose, et pour le coup, c'est pas le genre de jeu avec lequel vous allez passer un mauvais moment. Même si vous avez déjà joué à la version, enfin à une version PC Engine, surtout à... Ah, d'accord, ok, c'est propre. Surtout si vous avez joué à PC Genjin 2, Bonks 2, quand vous voulez. Pour le coup, vous allez un peu vous faire chier sur ce jeu. Vous allez vous dire, mais c'est un peu... Sans être mauvais, c'est pas génial. Ah oui, le troll. Vite, on va essayer de l'éviter. Ouf. Nickel. Le SD2 SNES, ouais, effectivement, c'est très bien. J'avoue. Et le SD2 SNES, alors, ou je dis une bêtise, ou... De toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Ou apparemment, les jeux qu'on pouvait pas passer avec l'Everdrive, là, ça passe à cause d'une... Parce que... Je sais plus exactement à cause de quoi. Ou parce que... Il y a effectivement les... Ou c'est parce qu'ils ont fait un rétro-engineering sur le... Sur les fameuses puces qui étaient manquantes dans le Super Everdrive. Ou alors, à cause d'un truc qu'on a déjà parlé, et surtout dans le podcast du collectionneur avec Moa, c'est Moa qui avait parlé de ça, et c'était le fameux FPGA. Alors, c'est ou l'un ou l'autre, hein, mais à mon avis, je... Déjà, pourquoi je dis à mon avis, alors je me souviens plus du tout exactement ce qu'il y a dans ce truc. Mais je sais que c'est une tuerie, le SD2 SNES. Je connais quelqu'un qui a été l'un des premiers à le faire importer de France quand ça avait été annoncé. Et le mec, il a absolument rien regretté, hein, je dois avouer. Le seul truc à regretter, c'est peut-être un peu le prix. Il y a un FPGA dedans, merci Moa. En fait, Moa, il a senti que j'étais en train de nager. Il s'est dit, tiens, je vais lui donner l'info, merci. C'est cette semaine, le prochain podcast du collectionneur, c'est jeudi sur la chaîne perso et c'est à 21h. Effectivement, c'est bien cette semaine. Donc maintenant, on essaiera de tourner pour le podcast du collectionneur à 1 tous les 15 jours. Enfin, en fonction des emplois du temps de tout le monde aussi. C'est vrai que c'est un peu cher, le SD2 SNES, on est d'accord, mais bon. C'est peut-être aussi un très bon compromis. Le Everdrive SNES, je me souviens plus pour le Mario Kart et genre de jeu. Mais je sais qu'il y avait la patate de jeu, enfin, la patate. Il y avait quand même quelques jeux qui ne passaient pas. Mais, ah non, non, les jeux qui utilisent le mode 7, ça marche, il me semble. C'est des jeux genre Mega Man X3, le Street Fighter Alpha 2. Tous des jeux qui ont des puces vraiment spécifiques. Il y a une cam sur Beyond des petites pelles, non. Juste le micro. Pour le moment. Hein. Après, je dis pas, si j'ai du budget, je leur achèterai une webcam. Déjà, Beyond a fait péter le micro. A fait péter le budget. Maintenant, il y aura un micro de qualité. Enfin, c'est le micro Rock Band, mais il est bien. Faut trouver un moment où Beyond ne fait pas sa sieste. Non, chut. Dis pas ça, voyons. Ouais, c'est tous les jeux avec les puces, mais il me semble que Doom, il passait. Je suis pas certain. Oula, elle recevra un email, j'espère que c'est pas Beyond qui réveillait de sa sieste.
déconne. Est-ce qu'on peut pas skipper le bonus stage? Ah non. Je vais pas avoir ce plaisir, malheureusement. Pourquoi j'ai fait la bêtise d'aller au bonus stage? En plus, il fait ramer le truc. Punaise. Nom de Dieu. Le budget. Mais oui, mais les verres à moutarde Astérix, ça se collectionne. Enfin, Astérix ou Lucky Luke, hein, c'est... pour l'instant... Je pense qu'il nous fait la surprise. Pour l'instant, on ne sait pas encore quel verre à moutarde il s'agit. Mais j'insiste, je veux une photo. Je veux une photo du setup. Bon, allez, il reste 2 secondes. Du coup, j'aurai le temps de lire le chat un peu. Ah, à gagner. Je ne l'ai pas en cartouche, on pourra le faire plus tard en ému. Il me semble... Attends, tu parlais des étiquettes de plus en plus réalistes. Non, en fait, c'est parce qu'en fait, maintenant, il y a des gens qui ont aussi des combines pour imprimer en offset. Il y a des gens, maintenant, qui ont plus facilement accès aussi à certaines sources d'informations. Donc, en fait, c'est pour ça que t'as les étiquettes qui sont, pour les cartes mode, de... Comment dire? De bien meilleure qualité. Ça va pas dire non plus que c'est la craquance absolue. On est d'accord. Mais ça commence à être de mieux en mieux. Mais comme je disais, il y a beaucoup aussi de gens qui font des repros qui s'amusent à laisser d'une façon ou d'une autre leur marque sur l'étiquette. Le guide du collectionneur de verre à moutarde. Eh, c'est une idée. Hein. C'est une idée. Non mais, vous avez pas eu la bonne idée de mettre un boss comme ça avec des patterns, alors que la maniabilité du jeu, elle est ultra approximative, non? Non, chez Hudson, vous avez déconné, là. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. C'est Moubot qui a pas... C'est le bot qui a pas apprécié les points de suspension. D'accord. Ah, les verres à moutarde de Goldorak, vous me dites, hein, ça se pense un peu se collectionner. Voilà, j'ai réussi à le tuer en dehors de l'écran, et ça c'est bien. À gagner, c'est pas le jeu le plus dur du genre, mais c'est vrai qu'il est vraiment pas simple. Mais de toute façon, on essaiera de refaire un guide du collectionneur Super Famicom, ce qui me semble que c'est le premier d'ailleurs. Il me semble qu'on avait dû parler un peu sur un coin de table comme ça de la Super Famicom, mais on essaiera de le faire et ce coup-ci quand j'aurai récupéré mon SCART HDMI converteur branché le vrai hardware. Bon là, c'était bien parce que bon, comme je savais d'avance que mon convertisseur était pas là, donc j'avais déjà prévu un programme en conséquence. Wow. Du coup, il nous reste 10 minutes. Ah, il nous reste 7 minutes. J'aurais pas dû jouer aussi longtemps à The Fireman. On va quand même vite fait en parler. Voilà, comme ça au moins ce sera fait. Ma mission sera accomplie ce jour. Non, c'était pas celui-là. J'ai dumpé le Castlevania 4. J'ai pas fait, tu vas me dire? Ah non. T'as pas fait ça, chou. D'accord. C'est propre. Ou alors, il y a Akuma Joe. Voilà, mais oui. Pour qu'on voit un peu les différences entre la version PAL et la version JAP de Castlevania 4. Voilà, j'allais dire, si le jeu veut bien rebooter... Il a rebooté et je m'en félicite. Papouatou, un puzzle game sympa sur NES. J'avoue, je connais tellement de puzzle game vraiment, vraiment sympa comme Super Gosun Oyoyo. C'est quoi le jeu aussi? Il y a un jeu très particulier.
avec une petite fille qui a une canne à pêche. Je me souviens jamais du nom de ce jeu, pourtant. Pourtant, il est stylé. Alors oui, pourquoi j'ai le jeu en Jap? Ok, bon. Voilà. J'avais pas envie. Salut Cerber, j'avais pas envie de mettre mon nom. Pourquoi j'ai le jeu en Jap et pas en PAL? Bah, tout simplement parce que il y a une époque où j'ai un pote qui cherchait le jeu. Du coup, je lui ai dit, bah, j'ai la version Jap. Bah, dis non, je veux la version PAL. Ok, bon, bah, du coup, je lui ai revendu la version PAL, j'ai gardé la version Jap. Et à ce jour, je n'ai jamais regretté. Pour moi, ça fait partie des 10 jeux le. Pas dire vraiment indispensable, après t'aimes ou t'aimes pas, mais ça fait partie des 10 jeux qui m'ont marqué vraiment sur Super Nintendo. Tellement poncé dans tous les sens ce jeu que... Ah, Boobot, il fait encore des ciels. Attendez, du son. Le problème, c'est si je monte le son, on remarque, si on m'entend pas, ça va pas être une grande perte non plus, mais vous vous mettrez la bande son demain matin en buvant votre café, ça passera mieux. Ah, je me suis... Oui, le fameux jeu avec la canne à pêche, là. Ah, je me souviens jamais du nom. Et pourtant, paraîtrait-il aussi que... Il y a même eu deux ou trois jeux comme ça sortis. Ah, impossible de me souvenir du nom de ce jeu. Il avait été fait dans Game Center CX. Ah, zut. Impossible de souvenir du jeu. En plus, il est hardcore ce jeu, hein. C'est un action puzzle. Et oui, donc déjà, pourquoi l'avoir gardé ce jeu en version Jap, le 60 Hz. Le 60 Hz, voilà, c'est la raison numéro 2. Le premier dont je parlais, c'est Super Gosun Oyoyo. Ça existe, je t'assure. Le nom, ils vont pas du rêve, mais le jeu est pas mal. Je crois d'ailleurs que je l'avais chopé dans une petite boutique, genre à 10 balles. Il y a tellement en fait de puzzle games craqués sur Super Famicom qu'on n'a jamais entendu parler. Je sens que ça va encore être quand je vais couper le stream, que je vais me souvenir du nom du jeu. Avec la petite fille et la canne à pêche. Il y a plein de poissons, il y a plein de poiscailles dans le jeu. Moi perso j'adore ce jeu, mais le souvenir du nom. Je crois que c'est Petite Pelle qui disait qu'il y avait une réédition. Enfin, ils ont ressorti le jeu en remaster sur PSP. Ça existe sur Saturn aussi, Gosu no Yoyo. Wow. Je savais pas ça. Je crois qu'il y a une ou deux versions sur Super NES. Je savais pas que ça existait sur Saturn. Bon, je vais arrêter d'essayer de me souvenir du nom, du jeu que je cherche, et puis ça ira bien. Umira Kawase. Merci. Merci, Feu Follet, je t'en remercie. Umira Kawase, mais oui. Umira Kawase. Testez-le, hein. Il est hardcore au début et il est encore plus hardcore à la fin. Je vous dis pas pourquoi. Jouez-y et si vous arrivez à en voir la fin, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? En fait, bon, on peut le dire, il n'y a pas vraiment de spoiler dans un jeu rétro. Bah en fait, vous avez 20 minutes pour torcher le jeu. Sinon, en fait, bah, vous avez une bad ending. Eh ouais, la bad ending, on te dit. Ça, pour le coup, ça fait bien chier. Surtout quand tu t'es acharné à terminer ce jeu qui est vraiment pas simple. En tout cas, merci Feu Follet, hein. C'était bien Umiara Kawase. Et merci aussi, sans doute, à ceux dans le chat qui ont dû taper jeu de pêche sur Super Famicom avec une petite fille et une canne à pêche. Je pense pas que Google il ait apprécié. C'était Arthur to Astaroth no Nazo Makaimura. D'accord, ok. Le nom a couché dehors.
Ah bah du coup ça m'a ambiancé, je vais y rejouer ce soir à Omira Kawase, je pense. Petite partie avant de se mettre au lit. D'ailleurs je voulais faire un carte mode de ce jeu. Mais comme je suis pas sûr de pouvoir, pouvoir changer de région avec une efficacité... Quoi, si jamais je fais un carte mode de ce jeu un jour, je leur fais gagner un direct. Et on va commencer d'abord par faire gagner un carte mode de Nightmare Busters, comme je l'ai promis. Allez, du coup, bah, c'est la fin du kit du collectionneur, donc on se sera bien marré, comme d'hab. Aussi sur Vita, Omira Kawase. Oulala, petite pelle, faut qu'on parle. Si t'as ce jeu, faut qu'on parle. Du coup, on se revoit jeudi pour le guide du collectionneur. Pour le guide. Le podcast du collectionneur, et ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose de capital en début d'émission. Dimanche, il n'y aura pas Arcade Perfect, parce que dimanche, il y a le marathon Yoshi. Oh là là, putain, quelle buse! Le marathon Sonic. Pourtant, il se ressemble pas. Yoshi, il est beaucoup plus lent. Donc, qui dit marathon Sonic, dit guide du collectionneur spécial Sonic. Pour ce faire, on fera une chose qu'on n'a jamais fait. C'est branché une Wii U, on se fera un Sonic et Sega All-Star Racing, on parlera de Sonic, de tout un tas de choses. Oui, je suis une buse. C'est fin de soirée, hein, d'habitude, je suis déjà au lit depuis une heure. Donc voilà, donc on se fera un Sonic et Sega All-Star Racing Transform sur Wii U, histoire de se mettre bien. J'essaierai de faire un petit test de stream, genre demain, mais en mode ninja, sur une chaîne Twitch que vous ne connaissez pas, juste pour vérifier si je peux bien streamer et jouer en ligne en même temps. Si le online existe encore d'ailleurs sur ce jeu, et j'espère parce que c'est vraiment un super jeu. Et maintenant, du coup, ben, j'ai jusqu'à dimanche matin pour me réentraîner sur ce jeu parce que ben, j'y ai pas joué depuis la sortie du jeu sur Wii U et j'ai tout perdu. Voilà, voilà. Et ben sur ce, des bisous. À jeudi pour le podcast du collectionneur, à dimanche pour le guide du collectionneur, je vais y arriver. Et sur ce, des bisous. Salut, salut.